qui suivez et aimez ce magazine Kiosque, et nous sommes aujourd'hui lundi 12 août 2024. Tous les regards des Congolais sont fixés vers le mi-cycle du Palais du Peuple où va se tenir aujourd'hui lundi l'élection du bureau définitif de cette chambre basse, chambre haute du Parlement. Nous allons en parler avec les candidatures, les tickets de l'Union Sacrée validés par la haute autorité pour cette élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Cependant, certaines personnes ou certains sénateurs ont résisté malgré ces tickets de l'Union Sacrée. Nous allons en parler avec nos invités ce matin dans ce magazine de Kiosque. Autre sujet d'actualité retenu ce matin, c'est à l'Union pour la démocratie et le progrès social, où la CDP a éjecté la candidature Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, à ses postes de secrétaire général. Il y a eu des réactions qui se sont suivies. Il y a eu la réaction de professeur André Mbata. Nous allons en parler. Et les proches d'Augustin Kabouya semblent rejeter cette décision de la CDP. Vous le savez qu'Augustin Kabouya appeler ceux qui contestaient, ceux qui ne voulaient pas ses fonctions de secrétaire général, disaient qu'ils sont des pêcheurs en eau trouble. Nous allons en parler avec nos invités ce matin. Alors, ils sont à deux ce matin. Il y a Joseph Kongolo qui est avec Walter Kouy. Avec eux, nous allons analyser, commenter l'actualité que nous avons retenue ce matin. Walter Kouy, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à mon aîné Joseph Kongolo que je revois après plusieurs mois. Merci beaucoup pour l'invitation. Joseph Kongolo, bonjour, bienvenue à vous. Merci Madame, merci à Walter Kouy, merci à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes là Madame pour essayer de cogiter sur les thèmes que vous avez proposés. Donc, on est prêt à pouvoir apporter notre opinion là-dessus. Voilà. Alors, ce thème, comme je le disais, c'est le Sénat et puis l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. UDPS, vous le savez que les chefs avaient dit que ce n'est pas ça l'UDPS, il s'agit bien de la vitalité de la démocratie. Alors, nous allons commencer par la Chambre haute du Parlement. Avec cette mise au point du mouvement de libération du Congo par rapport aux rumeurs qui vont au sens divers véhiculées dans les réseaux sociaux au sujet de la candidature de Françoise Bemba au poste des rapporteurs. Alors il y a cette mise au point, les MNC avaient initialement désigné l'honorable Jean Bamanissa pour briguer le poste de rapporteur au bureau du Sénat. Et après des tractations et les derniers réglages politiques, le président de l'Union Sacrée de la Nation a décidé d'abord du choix d'une femme, ensuite de l'espace grand d'Équateur, dans la mesure où la candidature de Topin Kabombo, l'espace Kassa, a été validée pour le poste des questeurs. C'est-à-dire que l'Union Sacrée voulait une femme et puis quelqu'un de la province de l'Équateur. Le MLC qui avait auparavant proposé la candidature de Jean Bamanissa et s'est retrouvé face à cette décision de l'Union Sacrée, et bien voilà, il fallait proposer la candidature de Françoise Bemba, tout d'abord parce qu'elle est une femme, et en plus parce qu'elle est de la province du Grand Équateur. Et voilà, c'est cette mise au point du mouvement de libération du Congo par rapport à ce que se raconte au sujet de la candidature de Françoise Bemba. Françoise Bemba, qui a été élue sénateur en 2018, en 2023, Elle a toutes les compétences pour briguer ce poste de rapporteur. Et puis au MLC, elle est la seule sénatrice de l'Équateur et la seule femme sénatrice. Alors, comme il fallait se soumettre à cette décision de l'Union Sacrée, alors il n'y avait pas une autre femme. Et bien voilà, c'est Françoise Bemba qui a été désignée candidate rapporteur de la Chambre haute du Parlement. C'est la mise au point du mouvement des libérations du Congo. Alors, Joseph Kongolo, vous avez un commentaire à émettre par rapport à cela? Oui, madame. Vous savez, c'est la cuisine interne de l'Union Sacrée. Et sûrement que le poste n'appartenait pas, le poste a appartenu au MLC comme étant un des piliers de l'Union Sacrée. Et que, bon, pour trouver une sorte de subterfuge,
on a préféré donner à une femme, et c'était bien connu bien avant, que c'était la seule sénatrice de l'Équateur. Oui. Donc, bon, écoutez, la logique... La seule femme aussi, oui. Effectivement, c'est ce que j'ai dit, la logique politique, ce n'est pas une logique ontologique. La politique a ses logiques propres internes, parfois qui frisent l'objectivité. Donc, dans ce cas, je crois que nous n'avons pas, franchement, beaucoup à dire là-dessus. Pour moi, l'essentiel, c'est la compétence de Mme Françoise. Si elle peut être compétente, être capable de faire le travail correctement et peut-être aussi s'associer aux autres pour produire du résultat positif, je crois qu'à mon avis, il n'y a pas tellement beaucoup de problèmes. Mais les enjeux au niveau du MLC, au niveau de l'Union Sacrée, ce sont des cuisines internes dans lesquelles nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour pouvoir donner des avis un peu de manière plus objective. Mais en gros, ce que je peux personnellement condamner, c'est que généralement, pour les grands ensembles politiques, les choses se riment en définitive en termes de famille. En définitive, ce n'est pas seulement au niveau du MLC, voyez-vous. Ce n'est pas seulement au niveau du MLC. Vous avez vu le scandale qu'il y avait avec la proposition des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Eh bien, chaque pilier de l'Union sacrée a jeté son dévolu pratiquement sur un membre de famille. Voyez-vous ? Donc, ce que je condamne personnellement, enfin, c'est quelque chose qu'il faut corriger à la longue. Mais s'il y a de la compétence, personnellement, s'il y a de la compétence... Mais dans ces cas, il s'est trouvé devant vraiment, je ne sais pas moi, soit... Il n'y avait pas de choix, si je peux dire ça, parce qu'il n'y a pas une autre dame qui est sénatrice, il n'y a pas une autre dame qui est... Parce que l'exigence, c'était qu'il faut avoir une dame, et puis qu'elle soit de la province du Grand Équateur. Oui, mais justement... Il n'y a pas une autre personne. De la manière qu'on a posé les conditions... Parce qu'elle porte le nom des Bemba, et... Tout à fait. Cette exigence, voilà. De la manière que les conditions ont été posées à l'interne, au niveau de l'Union Sacrée, je crois que... Elle a été bien heureuse, tout simplement. Bon, moi personnellement, ce sont... des tractations internes à l'Union Sacrée. Je suis complètement d'accord, parce qu'on ne peut pas nous donner un point de vue là-dessus. C'est eux qui gèrent la plateforme. Mais mon problème à moi, c'est de la compétence. Si elle est compétente, je suis complètement d'accord. Si elle est compétente, je suis complètement d'accord. Donc, je voudrais voir son CV et voir un peu une présomption de compétence, parce que tout ce qu'on couche sur le papier, c'est une présomption de compétence. Mais si déjà elle est dans le critère, bon, personnellement, je ne vois pas ce que je peux dire là-dessus. Alors, Walter Kou, il y a un commentaire. Oui, en réalité, soit nous voulons une société démocratique, c'est-à-dire où il y a des élections libres, tout le monde va à la compétition, soit on n'en veut pas. Parce que ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale, ce n'était pas une élection, c'était l'entérinement. Alors, on ne dit pas qu'il faut gérer les ambitions, mais ça se fait en amont. Voyez-vous que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on est allé de prolongation en prolongation parce que, à l'interne, les partis politiques ne s'étaient pas convenus. Et pourtant, gérer, c'est prévenir. Ils devraient s'entendre à l'amont, gérer les ambitions, et puis, c'est pas 100, 200 postes pour se perdre, c'était 7 postes. Ils savent le poids politique de chaque regroupement au regard de la répartition déjà au niveau de la chambre basse, au niveau du gouvernement. Quels sont les partis qui ne se sont pas réellement retrouvés par rapport à leur poids? Sur base de ça, ça ne demanderait pas une semaine, 4 jours pour le faire, parce qu'ils ont déjà la cartographie électorale, la cartographie du gouvernement. Mais malheureusement, nous sommes un pays atypique. C'est pourquoi on est allé de report en report. Il faut le rappeler, ce n'est pas la Constitution qui a bloqué ou qui a fait retarder ou qui a fait durer l'élection des membres du bureau, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Nous avons une société où les acteurs politiques sont très actifs quand les lois ou la Constitution les arrangent. Mais quand ça ne les arrange pas, on tire, on traîne les pieds, on laisse passer le temps pour justifier que non, la Constitution pose problème. En réalité, ce n'est pas ça. C'est déplorable et je suis étonné qu'à l'Équateur, il n'y a qu'une seule femme qui soit élue sénatrice pour cette législature qui vient de se passer. Les élections, c'est la compétition, c'est pas qu'on doit donner des postes comme ça. Bon, comme c'est la seule, il y a pas de choix. Le bureau doit être équilibré, ça, il faut le savoir. On ne dit pas qu'il faut obligatoirement une femme,
Et s'il n'y a aucune femme qui exprime une ambition pour être dans le bureau du Sénat? Non, mais ils doivent exiger le respect du genre. Hein? Il faut qu'il y ait non, mais exiger, il faut qu'il y ait des femmes qui ambitionnent. S'il n'y en a pas, on ne va pas aller pas ramasser, on ne va pas aller prendre une sénatrice, venir imposer « toi, sois là au bureau ». Non, c'est question des aptitudes et des ambitions personnelles. Quelqu'une peut avoir une ambition, mais qui n'a pas les aptitudes pour assumer les charges pour lesquelles elle prétend. Il y en a aussi qui peut être compétente, mais elle ne veut pas, au regard des intrigues qu'il y a dans notre classe politique. Mais comme c'est la seule, comme elle a accepté, il n'y a aucun commentaire à faire par rapport à ça. Mais si c'était, si il y avait d'autres sénatrices au niveau de l'Équateur, en là, tout cas, commenter. J'aurais commenté, j'aurais vraiment à redire que ça soit une belle sœur qui remplace un beau frère qu'on a, qui a vu sa candidature. Elle n'a pas voulu, c'est l'Union Sacrée qui a exigé cela. Ouais. Oui, l'Union Sacrée, c'est pourquoi j'ai dit que ça ne pose pas problème dès lors que c'est l'unique femme et unique femme qui est dans le MLC, unique femme qui est belle sœur. Du candidat c'est qui a vu son dossier retiré. Oui, une simple coïncidence. Une très très simple elle n'a pas coïncidence. Postulé, ben voilà, on justement, se retrouve après la réunion de l'Union Sacrée. Oui. Une très simple coïncidence, comme vous le dites, c'est la seule sénatrice de l'Équateur. Ça ne pose pas problème, mais nous demanderons à ce que notre classe politique puisse mûrir, parce que nous livrer à pareil spectacle à chaque fois qu'il y a gestion des ambitions, répartition des responsabilités dans les institutions. C'est triste. Je me demande maintenant dans les entreprises, ça sera comment? Parce que les entreprises sont devenues des vaches à lait des acteurs politiques de la RDC. Depuis qu'on a lancé les processus de réforme, ces 10 ans se sont écoulés avec le COPIREP. Aucune entreprise n'a sorti la tête de l'eau, non. Toutes sont en train d'écouler parce que, voyez, toutes ont pour DG, directeur général ou administrateur principal, les militants politiques. J'ai dit bien militants politiques. Militants politiques ne vient pas là pour relever le défi. Généralement, c'est pour puiser et puis servir le parti, injecter les militants dans les entreprises, malheureusement. Même sous d'autres yeux, même les gens que nous imitons, les Occidentaux, ça ne se fait pas comme ça. C'est la compétence, la technicité. Parce qu'aujourd'hui, pour relever ONATRA, la SCPT ou OCC, FPI, on a besoin de la technicité. Et ça, vous ne les trouvez souvent pas dans les rangs des partis politiques. Pour la plupart, ne veulent pas aller recruter dans les sociétés, dans les entreprises, dans les administrations. Malheureusement, c'est ce que nous voyons. Sous d'autres yeux, vous voyez qu'on recrute dans les banques, dans les entreprises, dans les sociétés. On voit qui est-ce, comment le faire pour qu'ils deviennent membres de notre parti politique. Ça doit se faire comme ça. Ce n'est pas des gens, après l'université, il a passé 10 ans devant le siège du parti politique et puis, une fois le parti au pouvoir, injecté DG. Malheureusement, on ne sortira pas de l'auberge si on doit continuer comme ça. Voilà, merci Walter Kouy. Alors, on reste toujours au Sénat. L'élection, c'est donc aujourd'hui qu'on connaîtra la composition du bureau définitif de cette chambre haute du Parlement. Et alors, les contestations, il n'y a pas un consensus hein, au niveau de l'Union Sacrée, parce qu'on voit les candidats, par exemple, au poste du président du Sénat, l'Union Sacrée, après la rencontre à présenter la candidature de Sam Maloukonde, mais Idrissa, Jonas Moukamba, ils ont maintenu leur candidature. Comment est-ce que vous voyez la suite aujourd'hui? Bien, madame, je dis, Walter disait tout à l'heure, mais je ne connais pas un seul PDG qui ne soit pas fils maison. La plupart des PDG sont des fils maison, ce sont plutôt au niveau de PCA qu'on a mis les politiques. En tout cas, dans la très grande majorité des entreprises publiques. Ah bon? Oui. Ce sont les fils maison pour la plupart. Ce sont les non, PCA qui sont... Excusez, monsieur Joseph Kongolo. Il y a un bémol que j'allais ajouter. Donc, il y a généralement des militants des partis politiques. Quelques cas rares où il y a fils maison, mais qu'on a politisé. Qui sont d'obédience, membres ou affiliés à tel parti. Ils adhèrent à des partis. Bon, l'essentiel pour nous, c'est être fils maison, ça veut dire on connaît l'entreprise, on connaît les problèmes de l'entreprise, on a l'idée de ce qu'il faut pour corriger, n'est-ce pas, la gestion de l'entreprise, parce qu'on a été dans l'entreprise. Mais pour rester là, il faut adhérer à un parti politique. Attention, madame, c'est ce que je sais. Si pour être nommé en tant que fils maison, il faut adhérer à un parti politique, il est un citoyen comme tous les citoyens, c'est normal qu'il adhère à un parti politique. Il n'est pas interdit qu'il adhère à un parti politique. OK? Bien. Madame, je voudrais dire ceci.
que ce que nous vivons en politique en particulier, ce sont des maladies liées, n'est-ce pas, à la culture, à la carence de la culture politique. Ce que nous vivons, la France l'a vécu avant l'installation de la politique, avant l'installation de la démocratie. Les maladies qui précèdent la démocratie sont presque les mêmes. La France a vécu ça avant la Révolution française. Même après la Révolution française, la France n'a pas stabilisé sa démocratie aussitôt après la Révolution, madame. Écoutez, la Révolution, c'était en 1789. C'est vers les 1900 et quelques que la France a commencé à installer les institutions démocratiques. Je vous le dis. Donc, ce sont des maladies. Sauf que nous, nous avons traîné dans ces maladies. C'est-à-dire que nous n'avons pas des prescriptions qui conviennent pour guérir ces maladies aussitôt. Nous sommes encore malades, malgré notre processus de démocratisation qui a commencé en 90. Mais dans tous les États, vous trouvez effectivement ça. Il y a eu 20, 40 candidats à la présidence de la République dans les États, ici. En Afrique en particulier. C'est ça justement le problème. Tout le monde croit qu'on peut exercer les fonctions de président de la République. Alors vous trouvez à la présidence 14, 20, 22 candidats. Ce n'est pas correct. C'est une maladie culturelle. C'est une maladie, la culture politique. C'est la démocratie, démocratique, ouais. Effectivement. Ouais. Justement, la démocratie a des limites, madame. Vous savez ça? La liberté a des limites. Quand elle dépasse les limites, elle n'est plus une liberté démocratique. Ça devient libertinage. Et libertinage, c'est un processus de liberticide. Ça tue la démocratie. Mais au Sénat, c'est quand même bon par rapport à l'Assemblée nationale. Au Sénat, c'est la même maladie. Vous voyez? Tout le monde a des ambitions extrêmes. Ils oublient qu'en politique, il n'y a pas que la compétence. Il n'y a pas que la compétence. Nous venons d'en parler tout à l'heure. Vous voyez que Maman Françoise s'est retrouvée dans une situation exclusive, absolue, où elle est seule. Elle passe. Elle passe. La même chose dans un parti politique. Dans les enjeux politiques, il y a l'expérience, il y a la proximité, il y a la fidélité, il y a un tas d'éléments qui entrent en ligne de compte. Et le Congolais, tant il a lui des ambitions, il ne considère pas les aléas. Il ne considère pas les gens chez les autres. Mais vous voulez dire quoi? C'est-à-dire quoi? Moi, je pars de l'exemple de l'Assemblée nationale où il n'y avait qu'une seule candidature dans plusieurs postes. Hein. Tout à fait. Mais au moins au Sénat, il y a des gens, malgré la réunion de l'Union sacrée, certains ont résisté au niveau du poste de rapporteur. Hein. C'est, non, pas rapporteur, le poste de Bobati Lukwebo, deuxième vice-président, oui, où il y a l'UNC allié qui maintiennent leur candidature. Ouais. Voilà, vous voyez que. Mais justement, ce que je dis, même au niveau de l'Assemblée nationale, c'était la même chose. C'est avec l'élection. Comment on a dit ça, Les primaires qui ont essayé de départager, mais il y avait un tas, n'est-ce pas, des candidats au niveau du président, au niveau de la présidence, au niveau de la vice-présidence, ainsi de suite. C'était la même chose. Mais là, au moins, le mot d'ordre a été respecté. Oui, le mot d'ordre a été un peu respecté. Nous pouvons dire qu'on a assez bien géré quand même toutes ces ambitions-là. Mais aujourd'hui, tout le monde veut se jeter dans l'eau. Tout le monde veut se jeter dans l'eau. Et je crois que le résultat est venu. Moi, je crois que deux fois aussi, Félix a bien fait de laisser le jeu d'abord démocratique, voir comment les gens vont réagir. Ce sont des adultes, ce sont des gens qui se disent avoir été là en 90, avoir commencé le processus démocratique en 90, qui doivent grandir en principe. Mais on les laisse jouer le jeu, tout le monde, ils peuvent s'entendre, ils n'arrivent pas à s'entendre. C'est comme ça qu'en définitive, il y a un homme fort, n'est-ce pas, de la plateforme qui vient donner un point de vue, qui vient imposer un point de vue. Donc, vous comprenez que les gens n'ont pas grandi politiquement. La culture démocratique, les gens n'ont pas grandi. Et ils sont restés bruts. Bon, vous trouvez, messieurs, moi aussi je peux exercer tel poste. Moi, tu peux exercer. Quand vous voyez, il n'a aucun préacquis. On peut avoir une surprise hein, aujourd'hui à la fin de la journée. Non, c'est possible, tout ce que vous malgré voulez. Malgré que Sam Aloukonde a été possible. Choisi et qu'on puisse voter une autre personne. Madame, c'est possible. Pourquoi? Parce que l'électeur lui-même, l'électeur qui est le sénateur, il n'a pas aussi cette culture. Ah, il n'a pas aussi cette culture, justement. Il ne sait pas que quand on est dans une plateforme, on doit au minimum être fidèle. On ne gagne pas toujours. Voyez-vous? Il ne sait pas ça. Bon, l'autre dit que nous avons l'espace équateur, nous devons aussi avoir quelqu'un, ceci, cela et tout ça. Oui, mais est-ce que nous on vit grâce à cet espace équateur? Ce sont des éléments, ce sont des critères secondaires, des critères internes, mais qui ne peuvent pas émerger, c'est-à-dire que l'emporter sur l'objectivité. En plus, il y a un rapport de force, madame, entre l'union sacrée et l'espace
Équateur, l'espace Kassai, l'espace je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui va l'emporter? C'est l'Union sacrée. Donc nous pensons que le ticket Union sacrée doit passer, n'est-ce pas? Le ticket Union sacrée doit passer, c'est un minimum de sérieux aussi du point de vue de cette majorité. L'Union sacrée doit passer, mais il faudra apprendre aux autres qui se rebellent contre. Madame, la politique a aussi des logiques. Donc quand vous vous rebellez contre la position de votre plateforme, n'est-ce pas? C'est quand même une faute. C'est aussi une faute. Alors, se rébeller contre la position de la plateforme, est-ce que Walter Kouy, il y a eu le mot d'ordre de la hiérarchie, malgré cela, il y a des candidatures qui ont été maintenues, notamment à la présidence, au deuxième vice-président, on voit la plateforme de l'UNC à LA, maintient leur candidat face à Bahati de Kwebo. Est-ce que c'est pour... ils maintiennent, je peux dire, la tétutesse ou comment, ou soit c'est pour montrer qu'il y a démocratie, mais au finish, on sait seulement que c'est le ticket qui sera élu. Non, mais madame, voyez-vous que, comme M. Joseph Kongolo le disait, c'est un problème des cultures démocratiques. On ne dit pas que la démocratie signifie l'anarchie. J'ai souvent dit que la discipline fait partie d'une culture démocratique. Quand vous allez en pourparler ou en négociation entre vous au sein de la famille politique ou au sein d'un regroupement politique, quand vous êtes mis en minorité, il y a deux choix. Vous acceptez, vous vous taisez ou vous quittez. C'est simple. Vous ne pouvez pas être dans un regroupement politique, dire que vous soutenez par exemple Félix Tshisekedi et d'autre part, vous résistez à une orientation qu'il donne. Donc, c'est pourquoi, comme lui disait en rapport avec le conflit à l'UDPS, que la vitalité est nécessaire dans un parti ou regroupement politique. Mais il faut que cette vitalité-là soit vraiment démocratique, que tout le monde exprime ses ambitions, on fait le choix et la majorité tranche. Dès lors que la plateforme ou le parti en majorité lève une option, ceux qui sont mis en minorité doivent suivre. C'est ça la discipline dans les partis. C'est-à-dire qu'ils résistent à la décision de la haute hiérarchie, c'est chef pour l'État. Pour leur problème, on les a pris en retard, c'est comme je le disais tantôt. Les candidatures avaient déjà été, le processus avait déjà été lancé, les gens ont imprimé les badges, les panneaux, loué des véhicules qui sont en train de circuler autour du Palais du Peuple avec leurs effigies, et vous leur dites non, désistez parce que le regroupement vient de trancher que c'est elle qui va postuler. Mais ils n'ont pas de choix, c'est l'autorité, ils doivent se soumettre. Maman, c'est pourquoi je dis que c'est trop tard. On aurait fait ça en amont. Tout le monde savait qu'il y aurait élection des membres du bureau définitif du Sénat. À l'Union sacrée, tout le monde le savait. Même le président de la République, avant qu'il ne se déplace pour les soins, il le savait. Pourquoi avant, on n'a pas fait tous ces débats? Pourquoi quand on faisait le règlement intérieur, on n'a pas pensé à la répartition des différents postes au niveau du bureau? Il faut anticiper certaines choses. En politique, il faut avoir cette culture d'anticipation des choses. Il faut toujours anticiper. Quand vous ne savez pas anticiper, vous subissez comme là, ils subissent. Ça sera anormal que les gens qui ont dépensé autant d'argent voient. Allez autour du Palais du Peuple, vous allez voir. Il y a des gens qui ont loué des vidéoprojecteurs avec des véhicules ambulants qui sont en train de tourner, qui ont imprimé des badges. Le matin, tout un soir, à la veille de l'élection, vous leur dites, retirez-vous. Mais vous pouvez aussi imprimer des badges, faire la campagne, dépenser l'argent, mais vous échouez. C'est la même chose. Bon, c'est la même chose. Pour mon cas, c'est soumettre à l'autorité. Pour mon cas, je préfère aller échouer que... Là, je veux accepter. Ça, c'est l'anarchie. Et veux assumer. Ouais. Non, c'est pas l'anarchie. C'est l'anarchie. Parce que on résiste à Félix Tshisekedi, c'est ça? On ne résiste pas. Et si vous voyez les raisons qu'ils avancent, ces raisons-là sont nobles. Depuis tout ce temps, on était où pour trouver, lever une option définitive? On a fait ça avec à l'Assemblée nationale, non? Primaire pour les candidats présidents. Ils sont allés. Quand on a écrasé, on a éliminé les deux autres, Vital est resté seul. Après, il y a eu chamboulement avec les candidatures. Mbosso a bloqué le processus. Il y a eu du bruit. Le président les a invités. Il a tranché, on a dégagé le ticket pour les sept postes. Ça s'était fait. Mais pour le en Sénat, amont. Le Sénat, le président n'était pas le là. Sénat, on a attendu les retours du président. Non, oui. Le président, avant qu'il ne parte, il savait, le règlement était presque terminé. C'est pourquoi je dis la mais culture... Mais il avait 10 mots à son retour. C'est pourquoi je dis la culture de l'anticipation, il faut l'avoir. Pour ces gens qui ont dépensé, moi je soutiens et c'est tout à fait normal qu'ils préfèrent aller échouer
que retirer leur candidature. Mais il y a risque que d'autres sénateurs votent aussi en faveur du non-ticket Union Sacrée. Mais rappelez-vous du cas Kengo. Ici, le PPRD et l'AMP à l'époque, c'était majorité absolue, au-delà de 80 sénateurs. Mais Kengo avait gagné contre chez Okitundu à la présidence du Sénat. S'il y a un candidat aujourd'hui, une autre candidature que celle de Sama, Sama peut être surpris. Parce que rappelez-vous, il y a Idrissa, il y a Jonas Mukamba. Oui, rappelez-vous cette même la semaine dernière, je disais que qu'est-ce que Sama a fait d'extraordinaire à la primature pour qu'on lui donne encore la présidence du Sénat? J'avais posé cette question ici même. Posez la question aux Congolais. Qu'est-ce que vous avez retenu de la gouvernance Sama à la primature? Posez la question. Le pays ne doit pas être... Les grandes institutions ne doivent pas être gérées comme des biens privés. On doit quitter cet esprit-là. On doit cesser d'avoir un esprit d'une gestion patrimoniale des institutions publiques. Non, ça ne se fait pas comme ça. Qu'est-ce que Sama a fait? C'est la question que je me pose. Que ça soit à la Gécamine, à la primature, pour qu'on lui donne aujourd'hui le Sénat. Non. Il n'y a pas pour les chefs d'État. Ça ne suffit pas. D'ailleurs, si vous allez sur ce terrain-là, c'est trop glissant pour lui. Le Katanga est l'une des provinces qui a mal voté le président Félix Tshisekedi. C'est la dernière, d'ailleurs, en termes de pourcentage. Si vous prenez le Kasaï, vous prenez l'Équateur, le Congo central, le Grand Bandundu, après la Grande Orientale, qui a en moyenne c'est 70%. Parce que le Kasaï, c'est 90%. L'Équateur c'est 90, le Congo central vient avec 80 et quelques, suivi du Grand Bandundu qui vient avec 80 et quelques. Le Katanga c'est en deçà, et même le nombre des députés nationaux élus pour le compte de l'Union Sacrée à l'Assemblée nationale par rapport à la représentativité ou au nombre total des députés de cette province, ils n'ont pas le meilleur score que les autres provinces. Donc il a battu campagne, mais il n'a pas su convaincre les siens pour voter Félix. Donc, sur ce plan-là, ça ne sert pas d'oser. Moi, je parle de la gouvernance, de la gestion, aussi bien Gécamine que primature. Alors, à votre question, qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas la disposition de la Constitution qui dit qu'en cas d'empêchement du chef d'État, c'est le président du Sénat qui remplace pour 9 mois, c'est 6 mois ou 9 mois, avant l'élection. C'est pas pour cela qu'on cherche une personne qui est un peu doux, comme Sama, qui est dans les Alléluia, Amen, parce qu'on sait que c'est pas ça vraiment l'enjeu. Oui. C'est pourquoi je dis que c'est que nous ne savons pas à quoi avons-nous affaire. Nous avons affaire à gérer ce grand pays, ce pays continent, la RDC. Les gens ne doivent pas toujours calculer leurs poches et leurs intérêts privés. Que non, si le président Félix est empêché, ce sont les Katangais qui vont prendre le pouvoir. Non, on doit quitter ce calcul-là. On a eu Kassavubu, on a eu Mobutu 32 ans, Kabila 18 ans, Félix déjà 5 ans. Et qui veut que Félix meure? Non. Il a 5 ans, il lui reste 4 ans et je crois 5 mois. Il va les finir. Et même s'il arrivait un empêchement définitif, le président du Sénat, qui est le dauphin constitutionnel, sera là pour quelques mois. Mais s'il n'y a pas assez d'argent, peut-être une année, mais il ne sera là, il ne sera pas là. Le pouvoir est organisé par le texte. Joseph Kongolo disait, nous avons aussi un problème de culture du respect de texte. Donc, quand ça nous arrange, on soutient. Quand ça ne nous arrange pas, on cherche à tricoter. Non. Moi, je crois que on doit privilégier d'abord l'intérêt général. On doit appuyer toutes les initiatives entreprises par le président de la République, l'aider surtout à matérialiser ces multiples promesses qu'on ne sait plus compter. Il faut le soutenir, il faut que ceux qui sont autour de lui puissent travailler, mener des actions pour que, du moins cette fois, que ça soit matérialisé. Rappelez-vous, il a dit à Top Congo, demandé aux Congolais de patienter, mais en principe, de lui faire confiance. En principe, moi je dirais que le peuple n'attend que le pain, n'attend que le transport, l'éducation pour les enfants et la paix. Et pour ça, on ne doit pas attendre, monsieur le président de la République. Dites aux gens que vous choisissez de faire le travail pour la population congolaise et pas de faire attendre la population congolaise. Parce que pendant que la population attend, on sait que les gens qui gèrent ce pays s'enrichissent sauvagement. Revenons toujours sur ça.
je ne sais pas si c'est la parole de l'autre côté. Ouais. Bon, ça va, vous pouvez. Je vais revenir. Mais à vous. Il faudra que les gens, que nous prenions la gestion de notre société, de notre pays au sérieux si on veut aller loin. Voilà, Joseph Kongolo, à l'UDP, on dit que des gens contestent aussi hein, cette candidature de certaines personnes, hein, pas tout le monde, ben, voilà, de Sam Aloukonde, disant que tous les postes, hein, les clés, les institutions, on est en train de les donner à d'autres partis ou regroupements autres que l'UDPS, et c'est un danger. Oui, c'est vraiment le petit peuple au niveau de l'UDPS qui dit ça. Mais je voudrais revenir sur quelque chose d'important, ce que Walter vient de dire tout à l'heure. Non, le bilan du président de la République, premier mandat, est confondu avec la gouvernance de Sam Aloukonde. Vous pouvez tout dire, si le président a un bilan, c'est le même bilan du Premier ministre. Parce que c'est lui qui exécute, qui gère le pays au quotidien, c'est le Premier ministre. Et tout ce que le président a fait pendant le premier mandat est confondu avec l'action du gouvernement. Voyez-vous ? Donc, si vous voulez parler du bilan du Premier ministre, c'est le même bilan du président de la République. Vous ne pouvez pas séparer les deux. Je ne peux pas séparer les deux. Mais les petits peuples ne voient pas ça. Madame, je reviens. En politique, quand vous avez, dans un régime semi-présidentiel comme le nôtre, il est proche du semi-présidentiel, quand le président de la République a la majorité, ok, le Premier ministre devient un commissaire d'État, comme du temps de Mobutu. C'est-à-dire, il est là pour exécuter le programme du président de la République. C'est quand il n'a pas la majorité, à ce moment-là, le Premier ministre applique son programme. Mais quand le président de la République a la majorité dans un régime semi-présidentiel, automatiquement, le Premier ministre devient commissaire, c'est-à-dire un envoyé du président de la République pour exécuter sa vision. Et c'est ce qu'il y a. Un régime semi-présidentiel, quand le président a la majorité, ok, ce régime fonctionne un peu plus proche du régime présidentiel. Parce que la vision, c'est celle du président de la République qui a la majorité au Parlement, et il nomme un Premier ministre qui doit exécuter sa vision. C'est comme ça que les choses se font. Et Sama a été fidèle. Il a été celui qui a été fidèle dans l'exécution de la vision du président de la République parce que la majorité n'était pas la majorité de Sama. C'est-à-dire, si on dit qu'il a échoué, majorité, c'est le chef d'État qui a échoué aussi. Effectivement, c'est confondu. C'est ouais. confondu. Mmh. La majorité n'était pas la majorité de Sama, c'était la majorité du président de la République. Mmh. Donc le président avait la latitude de choisir son premier ministre. Mmh. Et il l'a fait. C'est qu'il est différent de notre ami... c'est qui dans CACH FCC, Ilunga Kamba, ce qui était différent. Et vous avez vu que Ilunga contestait parfois les décisions du président de la République. Parce que, effectivement, il y avait une coalition, mais qui n'en était pas une non plus. Voyez-vous ? C'est ça le grand problème. Deuxièmement, dans la gestion d'un pays comme la République démocratique du Congo, où 80%, ou si vous voulez 60% du budget national, provient de la province du Katanga. Parce que la seule source de notre richesse, de notre budget, provient des mines. Voyez-vous ? Alors, quand une telle province, qui réunit en elle seule 70% du budget national, et compte tenu de la désintégration, des fissures qu'il y a dans la nation, n'est-ce pas ? Qui sont très sensibles, que lui connaît, que toi tu connais, que le Congolais, en fait, raisonnable, connaît, je crois que cette province ne peut pas manquer de gérer une institution. Bon. D'où Sama doit prendre ses mains. Je le dis, le Katanga, avec le poids économique qu'il a aujourd'hui, je crois que ce serait une erreur stratégique de ne pas lui donner une institution. Merci. Ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement. Très vite. Troisièmement, j'ai entendu Walter dire que le président de la République ne doit pas considérer ses collaborateurs à l'Union Sacrée comme des petits enfants. C'est à eux qu'on a donné le pouvoir de choisir des membres, de faire toute la stratégie au niveau de l'Union Sacrée, au niveau des candidatures. C'est à eux qu'on a donné ça. Le président, en tant que président, autorité morale ou de référence de l'UDPS, a, avec son parti, choisi les délégués de son parti au niveau du bureau. Il est resté aux autres de choisir les leurs et de se mettre d'accord parce que c'est eux qui gèrent au quotidien l'Union Sacrée. C'est pas le président de la République. Si le président intervient, c'est le chapiteau, il est tellement au-dessus. Et quand il intervient, c'est quand eux n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est comme ça qu'il intervient. Ça, c'est un. Deuxièmement, ceux qui résistent, nous avons Jonas Moukamba, nous avons Idriss, nous avons tous les autres.
Est-ce que Estache et les autres, est-ce qu'ils étaient, les candidats de l'Union sacrée, où chacun s'est porté comme il voulait? Ils n'étaient pas choisis. Mais ils sont morts. Ils n'étaient pas. Tout à fait. Je veux bien. Mais ils n'étaient pas choisis comme candidats de l'Union sacrée. Ils étaient des candidats qui sont manifestés librement. Mais ils n'étaient pas choisis comme candidats de l'Union sacrée. Vous comprenez? Mais quand on trouve que ceux qui gèrent l'Union sacrée, les piliers qui sont au niveau de l'Union sacrée, n'arrivent pas à se mettre d'accord à leur niveau, c'est comme ça que le chapiteau intervient. Et quand il intervient, bon, retard ou pas, au moins il intervient pour mettre fin à toute cette cacophonie qui a régné au sein du Mais on n'obtempère pas à cette intervention. Bon, écoutez, si on n'obtempère pas, je crois qu'il a, c'est la part de l'Union sacrée de prendre des mesures qui s'imposent, n'est-ce pas, pour pouvoir élaguer ce genre de comportement. Alors, à la fin de cette élection, il n'y aura pas éclatement au sein de l'Union sacrée? Bon, écoutez, madame, c'est ça la marche des plateformes politiques. Tout le monde croit qu'il sera servi. Et quand on n'est pas servi et qu'on n'est pas d'accord, on quitte l'Union sacrée. Ça s'est fait d'ailleurs avec, l'Union sacrée, d'ailleurs, après la nomination, la sortie du gouvernement de Sam Alokozé. Il y a eu des gens qui étaient frustrés, qui ont quitté l'Union sacrée. Non, non, c'était plutôt FCC Cash. Quand Bahati n'a pas été servi, il avait quitté le FCC. Oui, non, même quand le gouvernement... Même maintenant, là-bas, même il y a quand... des déclarations de la... Oui, mais ils n'ont pas quitté. Même quand, même quand le gouvernement de l'Union sacrée est sorti, il y a eu des gens qui étaient mécontents, qui étaient frustrés. Parce que tout le monde croyait qu'il allait être servi. Je vais rejoindre le président de la République pour être servi et qu'il n'était pas servi. Donc, c'est tout à fait logique et normal. Et je crois que ça nous donne aussi des leçons quelquefois. Si ces leçons peuvent... nous faire grandir sur le plan démocratique, je crois que ça va être une très bonne chose. Voilà, la vitalité de la démocratie à l'UDPS, et bien voilà, la CDP a délogé Kabuya, il n'est plus secrétaire général, mais les proches de Kabuya, lui-même, il n'a pas réagi, hein, parce qu'autrefois, ils appelaient des pêcheurs en eau trouble. Mais ce sont ses collaborateurs qui réagissent et qui ne tiennent pas compte de cette décision. Avant de répondre à votre question, comme on parlait de l'élection du Sénat, je voudrais rapidement, sinon mes frères de Yakoma et puis de Massimanimba m'en voudront. Ces deux territoires, jusqu'à ce jour, n'y a jamais eu élection législative, nationale et provinciale. Ce qui fait que ces deux territoires n'ont pas de sénateurs jusqu'à ce jour. En conséquence, les élections pour les gouverneurs dans les provinces du Kwilu et Norubangui ne sont pas organisées parce que les élections municipales et municipales nationales et provinciales n'ont pas été organisées. La première ministre avait écrit pour que des moyens soient dépensés, mais jusqu'à ce jour, c'est silence radio côté CENI qui dit n'a manqué des moyens que le gouvernement traîne à donner des moyens pour organiser les élections dans ces deux territoires. Et en conséquence, les deux provinces manqueront des représentants au Sénat. Pour revenir toujours avec les Sénats, moi je dirais plutôt que ces gens-là, Katangé ou pas, je pense que tous viennent servir le pays. Ce n'est pas parce que le Katanga donne autant de moyens dans la caisse de l'État qu'ils doivent absolument gérer une institution. Ils ont un ministère du plan. Dernièrement, ils avaient le premier ministre, des vice-premiers ministres, et puis même le directeur de cabinet du président de la République. Ils ont déjà été servis. Ça n'avait pas posé un problème. Si ces gens-là viennent travailler réellement pour le pays, on n'aura pas à dire que nous ressortissants de telles provinces, comme le disait lui-même Joseph Kongolo, que c'est une plus question que nous ressortissants de telles, parce que nous devons être dans telle institution. Non. Si les gens viennent servir ce pays, je crois qu'on va balayer ou mettre de côté ce régionalisme primaire qu'il y a dans les animateurs politiques de notre pays. Mais pour revenir au dossier de l'UDPS, oui. Je crois que tout est parti, il y a un péché originel. Le péché originel, c'est le manque du respect de texte. Rappelez-vous ce qui s'est passé dernièrement à Mpassa ou disons Efobank. J'avais déjà dit que les résolutions des travaux des Passa ou des Bibois avaient des péchés. Pourquoi? On avait reconduit Félix Tshisekedi comme président du parti. Or, c'est incompatible avec sa fonction de président de la République. Et la Constitution interdit à quelqu'un qui est président de la République ou ministre d'être au même moment président d'un parti politique. Mais les résolutions des travaux des Bibois avaient reconduit Félix Tshisekedi comme président du parti.
L'autre résolution avait donné au secrétaire général la responsabilité d'appliquer les résolutions. C'est-à-dire que Kabuya fasse que Tshisekedi assume ses fonctions de président de la République. La deuxième résolution, c'était que le président de la République est d'office candidat pour l'élection de 2023. Or, le président Félix Tshisekedi est allé comme indépendant. La quatrième résolution, au point 1, il avait été dit que le secrétaire général applique les résolutions et puis le secrétaire général assure la gestion courante du parti. C'est les résolutions d'il y a 2 ans. Hein? Oui, ça date de 2010. Donc, voyez-vous qu'il y avait déjà des entorses. En son temps, je disais aux amis que peut-être ne faites pas ce que le PPRD avait fait pour Joseph Kabila, qui a géré le pays, qu'on lui garde son fauteuil après qu'il revienne encore comme président du parti. Faites un sursaut patriotique et faites comprendre que non, le mandat au parti, c'est 5 ans, renouvelable une seule fois. Bon, comme il a fait 5 ans comme président du parti, maintenant qu'il est empêché, choisissez un autre président du parti, travaillez, s'il aura besoin de revenir. Ça ne pose pas problème. Donc c'est ça, tout le tous problème. Ces problèmes-là, comme ça n'avait pas... Voyez-nous, Congolais, généralement, quand une situation vous arrange, vous applaudissez, et quand ça ne vous arrange plus, vous venez revenant à dire que non, là, il y avait un problème, là, il y avait un problème. Rappelez-vous avec la lettre de désignation de Kabound comme président intérimaire. Ce n'était pas statutaire, mais ceux qui ont poussé le président de la République à rédiger, c'était des juristes. Quand c'est allé plusieurs mois après, quand c'est allé en leur défaveur, ils sont revenus pour dire que c'était une entorse, ce n'était pas statutaire. Raison pour laquelle j'invite les uns et les autres à revenir aux fondamentaux de ce parti, de ce grand parti, fondé par des gens qui étaient passionnés pour que ce pays soit gouverné autrement. C'était un mauvais spectacle, malheureusement. Je ne voudrais pas assez commenter parce que moi-même, j'ai longtemps milité dans ce parti quand j'étais étudiant. Je n'aime pas trop y revenir. Mais je souhaite vous voyez aux les gens choses. Et aux autres. C'est parti, c'est fini. Hein? Bon, en principe, non, c'est n'est pas encore fini parce que Kabuya n'a pas aussi dit le dernier mot parce qu'il y a aussi des gens qui le soutiennent. Il y a des gens qui les soutiennent. Les autres aussi s'accrochent. Moi, je crois que pour l'intérêt de leur parti politique, il faut qu'il y ait rapidement une solution parce que ils doivent préparer 2028 et ce n'est pas dans le désordre qu'ils vont préparer 2028 parce que voyez les désordres qu'il y a dans l'UDPS est venu jusque dans les institutions. Si, si. Les spectacles de déshonneur qui s'est passé dernièrement à l'Assemblée nationale. Je me dis si c'était un parti politique de l'opposition. Et heureusement que ils sont allés, la justice, la police a appréhendé. Oui, des arrestations. Arrestations, voilà. Merci Walter. Oui, ainsi de suite. Il faut que l'État se fasse respecter et dans les partis politiques, il faut qu'il y ait respect des textes et tout ce qui va pour que demain les choses aillent mieux. Alors, Joseph Kongolo, moi je me suis attelée sur les réactions hein, après qu'on puisse déloger Kabuya de son poste de secrétaire général par la CDP. Il y a la réaction du professeur André Mbata. Il a présenté Kabuya comme le plus incompétent des dirigeants de l'UDPS qui aurait connu dans son histoire. Donc, il a traité Kabuya de tous les mots et les gens se posent la question, comment est-ce que on savait qu'il était incompétent et il a laissé gérer ce parti? Et puis, autre question, ça se passe toujours comme ça. Walter vient de citer Kabound. Hein. Il était auparavant loué après son départ. On les traite généralement, de tous les mots, généralement. Généralement, je connais ce parti depuis le CG Massamba. Tous les CG ont toujours eu des difficultés. D'ailleurs, c'est un problème aussi, un problème de discipline. Quand vous, militants, avez délégué le pouvoir à des dirigeants, il faut les respecter. Mais à l'UDPS, on conteste tout le monde, excepté Étienne Tshisekedi qu'on ne contestait pas. Mais on a l'habitude de contester tout le monde. On risque de contester les chefs un jour. Massamba a été contesté. Il est parti dans les mêmes conditions que Kabuya, que paix à son âme. L'autre là, Mavungu, Mutanda, Jacquemet Chabani. Même Jacquemet. Kabound, voyez un peu. Alors, Joseph Kong. Je crois que pour comprendre tout ça, il faut aller à l'origine. Le seul parti qui est né avec la sommité des intellectuels, c'est l'UDPS. Ah bon? Le seul.
Oui, je connais comment le MPR est venu avec le groupe de Mbinza, et qu'il n'y avait pas avec Mboumboko et les autres qui n'étaient pas des sommités, madame. Ok? Le seul parti qui est né avec la sommité et qui est né du Parlement. Ce n'est pas un parti qui est né des amis de la cité, non. C'est le parti est né du Parlement. Mais et avec, soit un attention, exemple. Attention, madame, ouais, avec ouais. des sommités. Que ce soit un exemple, comme c'est né de sommité, que ce soit un exemple. Très parlementaire. J'en viens. D'abord, et c'était la sommité, non seulement politique, mais aussi des intellectuels. Parce que si vous lisez, vous avez la lettre de 52 pages ? Vous ne l'avez pas. Si vous lisez la lettre de 52 pages, vous sentez la respiration de l'intelligence et de l'intelligence politique. Mais où sont partis ces intellectuels aujourd'hui ? On arrive j'en à viens. Des compétents, non, comme, j'en viens. Bouille, comme on vient de les traiter là. J'en viens, madame. Ouais. Ça veut dire que l'excellence des fondateurs de l'UIDPS n'est pas supportée par la génération qui vient après. Ah bon ? Oui. C'est-à-dire que le vide qu'il y a entre les fondateurs et la nouvelle génération est tellement grand, à tel point que on a bradé les options fondamentales de ce parti. On n'a pas su entretenir hein, le parti. Oui, ni maintenir, ni entretenir, malheureusement. C'est ça au fait, ce qui explique ça. Le parti était tellement bien structuré qu'il fonctionnait correctement avec 4 présidents, s'il vous plaît. Vous imaginez dans ce pays, les Congolais, 4 présidents à la tête d'un parti et fonctionner pendant autant de temps. C'est pour vous dire tout simplement que l'écart qu'il y a entre la sommité, les fondateurs du parti et ceux qui sont là-bas, vraiment ça ne tient pas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'idéologie que ces fondateurs ont donnée à la base, qui est le fondamental de ce parti, c'est la base. Et je voulais d'ailleurs en venir pour vous dire que si déjà la base a commencé à vous rejeter à l'UDPS, eh bien, il faut prendre l'avance, il faut anticiper pour quitter. Quand la base a déjà parlé à l'UDPS, madame, j'ai été un responsable de l'UDPS au Katanga, à la Kenya, au siège de Kyungwa Kumwanza. Quand la base a déjà dit non, il faut faire très attention. Il faut anticiper. Parce qu'en fin de compte, vous finirez par partir. Et ça, je l'avais demandé à Kabouya. De savoir quitter avant l'hécatombe. Il devait quitter avant. Quand la base vous a déjà vomi, effectivement aussi. Ce qu'il faut aussi savoir, madame, dans chacun de nous, il y a ce qu'on appelle le seuil de l'incompétence. C'est-à-dire qu'après un certain moment, quand les responsabilités augmentent et que vous n'avez pas été préparé à assumer les nouvelles responsabilités, vous atteignez ce qu'on appelle le seuil de l'incompétence. En ce moment-là, c'est pourquoi il y a de perfectionnement, des écoles, on a encore quelqu'un en formation. C'est pour arriver à dominer des nouvelles responsabilités assumées. Or, Kabouya a atteint le niveau de l'incompétence, le seuil de l'incompétence. Ça veut dire qu'il y a un parti qui doit se battre au même rang que les autres, pas en tant que plateforme cette fois-là, au même rang que les autres, pour 2028. Qu'est-ce que Kabouya a comme vision pour ce parti ? Est-ce qu'il est outillé suffisamment pour mettre le parti, n'est-ce pas, sur le pas ? Je pense que aujourd'hui, le parti UDPS, comme un serpent, doit s'émuer, changer de peau pour se rajeunir et être en position. Espérons que cette fois-ci, on ne mettra pas quelqu'un qu'on va traiter d'incompétent plus tard. Parti, madame, il faut vraiment un choix là, que la personne sort que, avec de fleurs. Je vous ai dit que tout le monde a un seuil de l'incompétence. Ça veut dire que si les enjeux se développent, deviennent plus grands qu'aujourd'hui qu'on va choisir un autre secrétaire général, eh bien il va aussi atteindre le seuil de l'incompétence. Faire un bon choix et c'est fini. Un mot. Je me rappelle comme Joseph Kongolo le disait, moi quand j'étais étudiant, quand on allait, que ce soit à l'Embassou région ou au rond-point Gaba, écouter les parlementaires debout, c'était des gens qui réfléchissaient, voilà. Qui lisaient les journaux, ouais. Qui vous parlaient et vous compreniez mieux. Mmh. Mais aujourd'hui, les parlementaires debout, apparemment, ne sont là que pour insulter, crier, chanter. Pathétique. C'est pas ça la culture que nous avons vue quand on a grandi, ouais, dans ce parti politique comme tout à fait. Merci. Nous allons revenir avec ce sujet, hein, parce que, comme vous avez dit, c'est pas encore fini dans l'IDPS. Non, c'est voilà. Pas fini. Ah, vous, je crois que... pas. Donc, bon, mercredi, on va revenir pour voir la suite. Ils vont apprendre à bien gérer ce parti, sinon... Et c'est fini pour Kiosque aujourd'hui. Merci, Walter Couille.
Merci Joseph Kongolo, merci à vous fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosque, merci à la grande équipe technique, Marité Godot, Alain Kabongo, Christian Banjolo, Moro Djambé, Junior Kassanda, merci au coach Doudou Montiri. Madame, Monsieur, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir.